Au nom du groupe Renaissance, je tenais à remercier les rapporteurs pour leur travail effectué ces derniers mois sur l'éducation aux médias. Je peux attester moi-même de leur sérieux et de l'étendue de leurs travaux pour avoir participé à certaines auditions que vous avez menées. Votre communication aujourd'hui rappelle un constat indéniable, la nécessité de renforcer l'éducation aux médias. Renforcer, oui, ce n'est pas la créer, parce que vous le soulignez, il y a une profusion d'acteurs qui s'en est déjà emparée. Avec engagement, acuité et créativité, et ce depuis longtemps, et je salue par là même l'action du CLEMI qui célèbre cette année ses 40 ans. J'aimerais rebondir sur trois points à partir de vos travaux. Si certains professionnels des médias sont aujourd'hui d'ores et déjà mobilisés, il reste nécessaire de favoriser davantage l'intervention des journalistes ou des créateurs d'informations. Ouvrir la porte des écoles en reconnaissant, homologuant, mettant en lumière des acteurs et des programmes. Mais aussi reconnaître cette éducation aux médias comme une part même du travail journalistique et non pas une activité bénévole annexe. Il en va aussi de la toujours nécessaire confiance entre les médias et les citoyens. Ainsi, pourrait-on, d'après vous, inciter les employeurs à réserver une partie du temps de travail des journalistes à l'éducation aux médias ? Pourrait-on approfondir également le recours au mécénat de compétences ? Deuxième apport de vos travaux que je souhaite souligner, c'est cette attention sur l'ouverture du pass culture à l'éducation aux médias, permettant ainsi aux acteurs homologués de proposer leurs offres dans la part collective et individuelle du pass culture, qui touche aujourd'hui, rappelons-le, plus d'1,5 million de jeunes de 15 à 18 ans. J'invite également à ce que l'on puisse saisir cette occasion d'ouverture à l'éducation aux médias pour réfléchir à la place des offres médiatiques sur le pass culture. C'est une demande de plusieurs organes de presse. J'ai souligné la place de l'EMI à l'école et dans le pass culture, néanmoins, et laissez-nous insister sur ce sujet, il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin d'éducation critique aux médias. Nous en avons et en aurons tous besoin tout au long de la vie, tant les technologies et les usages nous mettent au défi, défi pour lesquels même une base solide d'éducation critique ne suffira pas toujours. Il nous paraît essentiel alors de permettre l'accès du plus grand nombre de citoyens. Alors pourquoi ne pas ouvrir le compte professionnel de formation, le CPF, au module d'éducation aux médias ? Je vous remercie.